Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous dans Débriefing, Débriefing d'émission d'opinion sur BeOne Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. Marche du 21 janvier, controverse autour du nombre des victimes. 2 selon la police, 6 selon la MONUSCO, 9 selon les associations. Mais pourquoi cette fixation morbide sur les morts, comme si les médias nationaux et internationaux s'en réjouissaient? Et de l'usage disproportionné de la force, grenade lacrymogène à la maternité de Delvaux, jeune femme tuée à Saint-François-de-Kitambo. Qui est le vrai responsable? Les commanditaires des manifestations ou la police? Et parmi les victimes collatérales des manifestations, la coupure d'Internet, comment compenser le manque à gagner, MPSA, information, industrie, etc., etc. On va également parler de Kinshasa et ses poubelles à ciel ouvert, ces ordures qui nous prennent la tête. La capitale Kinshasa est sale. Comment s'en sortir? Je suis avec Billy Kambalé. Il est à l'UNC. L'UNC, c'est le parti de Vital Tamere. C'est le patron des jeunes là-bas. Joachim Diana est également avec nous. C'est la première fois qu'il vient nous visiter. C'est l'éditeur du journal La Colombe, Point Gauche. Messieurs, bonsoir. Alors qu'on se met d'accord, hein, avant les échanges, l'UNC dans l'opposition pure et dure. L'UNC dans l'opposition, parce que nous pensons que il faut absolument que nous puissions résister. À l'étape où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en face des jusqu'au boutistes, des gens qui ne veulent pas organiser les élections, les gens qui veulent glisser indéfiniment, et donc le seul choix qui nous reste, c'est la résistance. D'accord, je voulais qu'on mette les points sur les i, hein, étant donné qu'on vous reproche un peu d'être des caméléons à l'UNC. Alors, le sujet en image, avant le débat. La divergence est dorénavant un peu plus claire et suscite des opinions contraires quant aux faits. Kinshasa et l'église catholique locale sont désormais à couteau tiré. Au lendemain de la marche réprimée par les forces de l'ordre ayant fait des morts et des blessés, les deux parties refutent la responsabilité sur les décès et les dégâts enregistrés lors de cette manifestation, pourtant interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa. L'église catholique a violé l'article 2 de l'accord qui régit les relations entre les Saint-Sièges et la RDC. Pour Alain André Atundu, le texte est clair, l'église est responsable. Un mort sur terre, dans le monde entier, est de la responsabilité de la communauté internationale, c'est-à-dire de chacun de nous. Nous avons l'obligation d'éviter qu'il y ait un seul mort. Et vous le savez, que les relations entre Vatican et la République démocratique du Congo reposent sur l'accord cadre du 20 mai 2016. Et là, un des éléments fondamentaux, c'est que l'article 2 organise, détermine les lieux de culte et organise la façon dont le culte doit s'exercer. Et l'article 8 détermine la responsabilité des prêtres en cas où ils étaient amenés à poser des actes contraires à l'ordre public. Réagissant à cette déclaration de la majorité présidentielle, l'archevêque de Kinshasa refuse toute responsabilité et condamne la répression policière à l'intention des manifestants. Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et vieux, scandant cantiques religieux, munis des bibles, chapelets, crucifix? Que veut-on au juste? Le pouvoir pour le pouvoir, ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple dans la paix, la justice et la vérité? Le peuple congolais voudrait que la paix règne entre les deux parties pour que la tenue du troisième scrutin électoral, seule voie royale pour éviter la crise au pays, soit respectée. Août 2015. Après plusieurs années, l'Union européenne abdique de gérer l'évacuation des immondices dans la ville de Kinshasa. Le projet d'appui à la réhabilitation et à l'assainissement de la ville Paro, financé par l'Union européenne, arrive à terme après 6 ans d'exécution. Avec 140 agents régulièrement payés, ce projet exécuté dans 9 communes traite 11 000 m3 d'ordures par semaine, réduisant ainsi plusieurs maladies d'origine hydrique.
C'est désormais l'hôtel de ville de Kinshasa qui s'occupera de l'évacuation des ordures à travers la ville. La ville prend alors ses responsabilités et compte s'en servir de l'expérience de Paro pour pérenniser l'action. 2 ans après, c'est une ville de Kinshasa complètement débordée d'immondices. Les grandes artères sont remplies d'ordures, les stations d'épuration et les décharges publiques laissées par l'Union européenne sont devenues une montagne d'immondices, polluant nuit et jour l'atmosphère. Une situation à graves conséquences sur l'environnement et la santé. Avril 2017, le coup de grâce de l'exécutif national, le gouvernement dote la régie d'assainissement et travaux publics de Kinshasa de 40 camions. Kinshasa veut en finir avec les immondices. Le chef de l'État a réagi à leur doléance pour l'évacuation dans toutes les stations. On doit évacuer 2 fois par semaine. Mais l'action du gouverneur n'est qu'un feu de paille. Quelques mois après, le chaos s'installe. Les camions d'évacuation des stations d'épuration sont à peine perceptibles. Les immondices envahissent davantage la ville et cohabitent avec la population. Kinshasa est dans les viseurs des tabloïds du monde entier. L'insalubrité accrue de la capitale congolaise fera la une de la presse tant nationale qu'internationale. À la RTPK, les ouvriers endurent 24 mois d'impayement depuis le départ du projet Paro. On ne comprend pas, que ferons-nous avec cet tas d'immondices? L'État veut nous amener à la mort. Nous cohabitons chaque jour avec cet tas d'immondices et ces décharges. À chaque fois nous tombons malades, c'est la fièvre typhoïde. Certains d'entre nous ont même été atteints par le choléra. Il faudra, selon le gouverneur, 12 millions de dollars par mois pour assainir la ville, contrairement à 1 million de dollars que déboursait l'Union européenne avec le projet Paro, montant colossal qu'il espérait financer à travers des nouvelles taxes aux particuliers et aux entreprises. La première question sur cette controverse du nombre des victimes, 9 selon la police, 6 selon la MONUSCO, 9 selon les associations. Il y a une sorte de fixation des médias que nous sommes sur ces décomptes macabres, comme si on se réjouissait. Pas seulement les médias, les politiques aussi ont l'air de s'en réjouir. Billy Kambale. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais profiter de votre micro pour rendre hommage à l'un des nôtres qui a perdu la vie, lâchement abattu lors de ces manifestations, M. Ngandou Houssène, qui est notre responsable d'une section à Lemba. Et nous lui rendons hommage et nous lui disons, héros, tu es tombé, mais ton sang sera vengé un jour. Et ce pays pour lequel tu t'es battu et tu as donné de ton sang sera un jour libéré, parce que nous qui sommes restés, nous allons nous battre pour mettre dehors cette dictature qui est en train de s'installer dans notre pays. Alors cette controverse, justement, ce sont justement les bourreaux qui créent la controverse, parce qu'ils ont volé les corps après avoir tué les peuples congolais. Ils ont volé les corps, ils ont voulu faire disparaître les corps. Mais comme les criminels, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à chaque fois qu'ils tuaient, le peuple était là pour surveiller. Et vous avez vu vous-même, aujourd'hui, quand ils ont rétabli les réseaux sociaux, je crois que 11 victimes, c'est encore peu. Nous allons encore en découvrir autant. On nous a parlé juste à la morgue où notre frère Ngandou a été déposé. On a trouvé 11 corps, déjà dans une seule morgue. Et tous victimes de la barbarie. La police prenait les gens et on venait les jeter comme si c'était des poissons qu'on jetait quelque part. Et nous disons, nous condamnons cette manière de faire et nous disons au régime que nous allons résister. Et vous avez vu vous-même la mobilisation du 31 et la mobilisation du 21. Celle du 21 est même 10 fois plus que celle du 31. Et celle qui va venir sera 100 fois plus parce que, et ils pensent qu'en nous tuant, ils sont en train de nous décourager, mais nous leur disons que vous n'êtes qu'en train de continuer à faire en sorte que cette flamme qui a été allumée depuis les 31 devienne un feu qui va vous brûler et va vous consumer. On avait effectivement sur les messages, sur les images, qui a eu un peu plus de monde le 21 que le 31. Joachim Diana, cette guerre des chiffres, on a l'impression que tout le monde s'en réjouit. Écoutez, le contraire m'étonnerait. Parce qu'en principe, si on doit être honnête, l'objectif de ces marches, c'est le décompte macabre. Quand il n'y en a pas, ils savent qu'ils n'auront pas le soutien de la communauté internationale. Et on les invente. Je vous donne quelques exemples. Le 24 avril, à Lubumbashi,
De quelle année? De cette année, lorsque Moïse Katumbi fait sa marche à Lubumbashi là-bas. Il annonce, on a tiré sur la foule à bout portant et à balles réelles. Tout de suite, à la seconde, très tôt du matin, le même discours est repris par le bureau conjoint de la MONUSCO. Usage disproportionné de la force, on a tiré à balles réelles, à bout portant sur la population. Bilan de cela, c'est combien? Aucun blessé, aucun mort. Vous comprenez déjà que la stratégie, c'était celle-là. Vous, bureau conjoint, vous allez relayer le plus rapidement dès que l'organisateur va annoncer et vous, vous relayez. Il relaie l'usage disproportionné de la force en tirant à bout portant, à balles réelles, sur une population sans mort, sans blessé. Mais cette fois-ci... Je reviens à le 31. Oui, mais c'est possible. C'est un miracle dont on devrait parler. Ce miracle devrait occuper tout le monde. Je ne sais pas, il est venu de l'opposition, de la prière de l'opposition, ou bien des églises qui sont avec eux. Nous arrivons le 31. Le 31, la cage, les autres annoncent plus d'une dizaine. La MONUSCO annonce 10. Et ils ont annoncé 10. Le gouvernement dit qu'il y avait eu 6 morts, dont un policier. Et finalement, on a rabattu jusqu'à 6 morts. Les autres morts étaient-ils ressuscités? Sur base de quoi on les avait comptabilisés? C'est pour vous dire que le décompte macabre, c'est ça l'objectif premier. Aujourd'hui encore, quand vous suivez tous les médias, tous les témoignages, tous les gens qu'on a interrogés sur le terrain, on reconnaît la personne tuée à Lemba. On reconnaît la personne tuée à Saint-François et Sarah à Kitambo. Mais les autres, personne n'en parle. Celui de Lemba, il y a l'UNC qui dit qu'il était de sien. Nous le savions depuis Lemba. L'aspirante qui a été atteint par les balles à Saint-François de la Salle. Les autres, les anonymes. Mais pourquoi tirer... C'est ça le compte, c'est pour dire que... Pourquoi tirer à balles réelles sur les manifestants? Oui, nous en arrivons là. C'est l'éternelle question. Et c'est là où j'ai dit, plus d'une fois, on l'a dit à la police. Une chose est de réprimer, de prendre des dispositions pour que les policiers ne tirent pas. Une autre est d'être vigilant. Si dans ce policier, il n'y en a pas qui sont manipulés. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, même ceux qui condamnent en Europe, qu'il n'y a aucun gouvernement qui peut envoyer des policiers pour réprimer, sur tirer. Et surtout lorsque le gouvernement est conscient que les autres veulent tirer profit de dire qu'on a tué. Mais il y a eu des infiltrés, j'ai entendu, mais il faut qu'on le démontre par les enquêtes maintenant. Il y a eu des condamnations de quasiment toute la communauté internationale de cet usage excessif de la force, du fait de tirer à balles réelles sur les manifestants. Le gouvernement promet des enquêtes et des sanctions contre ces policiers voyous, entre guillemets. C'est rassurant, non? Madame, je voudrais quand même exprimer mon étonnement. Regardez comment Diana parle des morts comme si c'était des chiens qu'on a abattus. Regardez comment les gens n'ont plus de cœur. Et vous sentez qu'il n'y a aucun regret quand ils parlent. Ça veut dire tout simplement, à force de nous battre sur le terrain, nous avons fini par créer deux camps. L'un des bourreaux et l'autre des victimes. Et je suis désolé que M. Diana appartienne au camp des bourreaux, puisqu'il n'exprime même aucun regret par rapport aux Congolais. Ce sont des Congolais qui sont tombés. Supposons même que c'est deux. Donc pour vous, c'est normal que deux personnes soient lâchement abattues. Vous avez, les 31, vous avez dit que vous abattiez des terroristes. Et donc, ces images que nous avons vues, vous allez encore nous dire que ce sont des terroristes? Non. Moi, je pense qu'il y a un problème mental dans ce pays, un problème moral dans ce pays, qu'il faut vite résoudre puisque nous ne pouvons plus continuer dans cette situation. Mmh. Deuxièmement, lorsque mon contradicteur dit qu'il n'y a eu que deux morts, moi je me demande, vous vivez sur quelle planète? Mais il y a eu beaucoup de morts. On ne parle même pas encore de ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, à Goma, à Bukavu, à Kisangani. La MONUSCO dit 6. Je vous dis,
la MONUSCO elle-même vous avait dit que ce n'était qu'un bilan provisoire. Mais nous, nous vous disons que vous pouvez aller dans les morgues, c'est vérifiable. C'est vrai qu'ils ont posté des agents de renseignement et la police pour intimider les gens partout dans les morgues, surtout à l'hôpital général de Kinshasa. Ils sont en train d'intimider les gens pour qu'ils ne voient pas réellement ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai dit que cette situation, au lieu que vous puissiez résoudre les problèmes à la base, c'est quoi? On réclame l'application intégrale de l'accord. Mais il faut savoir que cette revendication a aussi une fin. Puisque à chaque fois que nous sommes en train de sortir, nous comptons des morts. On dit qu'on tire sur les gens, il faut qu'on prenne des mesures. Mais les gens qui marchent avec des rameaux et avec des chapelets, en train de chanter, vous tirez sur eux. Mais vous êtes quel genre d'individu? Vous êtes quel genre d'homme? Ils ont perdu tout humanisme et donc pour nous, dans les circonstances actuelles, nous ne sommes plus en face d'un gouvernement, nous sommes en face d'une ligue des assassins. Okay. Parce qu'on ne me dira pas, et ça je voudrais contredire mon contradicteur qui a dit tout à l'heure, que ce sont des cas isolés. Non, le 31, il y a un major qui est entré dans, non, c'est même pas un major, un colonel qui est entré, nous étions à l'église Saint-Michel, il a clairement dit, nous avons ordre d'abattre tout celui qui va sortir. Il l'avait dit, et les images existent. Si vous voulez, nous allons les balancer parce que vous êtes en train de vous entêter. Il avait clairement dit, nous avons ordre d'abattre tout celui qui va sortir de cette église. Nous avions dit, si vous avez ordre d'abattre, nous allons sortir et vous allez faire ce que vous allez faire. Nous, nous sommes en train de marcher pacifiquement et nous ne craignons personne. Il y a eu une photo, une image très forte qui a fait le tour du monde où on voit des manifestants à genoux, rameau et chapelet à la main, devant des militaires armés jusqu'aux dents. C'est quand même quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Alors, il y a eu des morts, des blessés, des arrestations, des extorsions, en plus des checkpoints de la veille de la marche, ce qui fait dire au cardinal Mostengo, sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Diana. Bon, écoutez, vous avez d'abord parlé des condamnations. J'ai dû ceci. Ceci se serait passé en France, on parlerait de bavure policière. Ou aux États-Unis d'Amérique, on parlerait de bavure policière. Dans n'importe quel autre pays, on parlerait de bavure policière, on chercherait les auteurs, on se les condamnerait. Mais quand ça se passe en République démocratique du Congo, généralement en Afrique, on estime, et même le politicien, ceux qui aspirent à diriger ce pays, estiment qu'un gouvernement peut donner des armes aux gens à les tirer. Mais c'est ce qu'on n'a même pas l'essence du pouvoir. Moi, je ne viens pas ici pour attendre le cœur. Il y a des gens qui cherchent des voies, qui cherchent à implanter leur parti politique. Moi, je viens avec ma France de donner des infos. J'ai donné des infos qu'on n'a pas compris. Il ne faut pas chercher à attendre le cœur. Je déplore le plus lourdement possible que des individus amène les Congolais à cette situation-là. Alors, on nous parle surtout au départ, toujours dans le cadre de la propagande. Voilà, il y a la dictature qui s'installe. Voilà un pays où la dictature, il parle, ici, il va descendre, il descend. Il n'a jamais connu la dictature, nous l'avons connu pendant la Deuxième République. Sinon, même pas ce que la dictature, alors c'est regrettable. Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Donc, les gens, comme ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas quelque chose de clair à dire. Une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert où on tuerait. Cette prison existe où on tirerait sur les gens. Quand nous étions dans une prison à ciel ouvert, Maloula n'est pas resté ici. Il a quitté le pays, il est allé à Rome. Mais lui, il peut être là, déplorer, et faire tout ce qu'il fait, même jusqu'à ne pas payer les taxes. Mais il est là. Il n'a aucune action. Je vous dis, l'archidiocèse doit à l'État congolais plus de 46 millions de dollars. Des taxes impayées. Il est là. Il est là. J'ai des documents authentiques ici tirés hier de finances. Tout cela, il est tranquille. Personne ne le traque. Nous sommes dans une dictature à ciel ouvert. Depuis combien de temps qu'il ne paye pas les taxes? Depuis 2013. Depuis 2013. 2013, 2014. Et là, le relevé seulement pour ces années-là. Lorsque vous citez de 2014 jusqu'à aujourd'hui, impayé, son refait de total. Et là, voilà l'excellence. Ça fait 5 ans que ça. Voilà de bons citoyens. Voilà la gouvernance qu'on cherche. Et on demande qu'il y ait des policiers pour sécuriser, alors qu'on ne paye pas les taxes qu'on doit à l'État.
J'ai des documents authentiques. Je mets, à quiconque veut le vérifier, le vérifie. Alors, vous allez parler de dictature dans cette situation. Pourquoi j'ai dit ceci? J'ai toujours cité un proverbe de chez moi pour ne pas voler la vedette à mon ami Bitakwire. Que lorsque la perdrix sort pour picorer, manger et tout ça, c'est parce qu'il ne pleut pas abondamment. Mais dès qu'il pleut abondamment, la perdrix se cache, que ce soit même la MONUSCO, même l'ONU. L'ONU a disparu au Burundi. Tous ces gens qui connaissent, ils ne parlent plus de Burundi parce qu'il y a une averse. Mais ici, c'est parce qu'ils ont justement cette liberté-là. Au nom de cette liberté-là, il y a des individus qui veulent aller, qui ne connaissent même pas ce que c'est une dictature. On va parler, nous sommes dans une dictature, et en le disant, il demande lui-même que nous ne sommes pas dans une dictature. Et ce discours-là, populiste, on croyait que le peuple congolais est si bête. Et c'est pourquoi le peuple a déjà compris que nous sommes revenus à la politique mensonge. J'ai entendu même un des coordinateurs de cette marche dire que il y a eu des chrétiens musulmans dans la rue. Vous comprenez ça? De chrétiens musulmans dans la rue. Des musulmans. Alors, quand les gens, on confond tout, vos prisons, vos dictatures, tout ça, parce qu'en fait, on voudrait tromper la communauté internationale. Et leur objectif, c'est que la communauté, c'est qu'il y ait des condamnations et tout ça. Et les condamnations, on en a eu, on en aura, mais sur le plan politique, je verrais mieux que les amis politiques, parce que demain nous irons aux élections, ils n'iront pas dans les églises pour se faire élire. Ils n'iront pas dans les églises. Ils devront être sur le terrain plutôt que de chercher l'église comme une béquille politique. Billy Kambale, quand l'autre camp accuse, on l'a entendu ici, le cardinal Mosengo et les autres, de devenir des populistes. Non, vous êtes en train de suivre M. Diana. Lui-même ne sait pas de quoi il parle. Lorsqu'il doit commencer à faire l'inventaire de ce que l'Église doit à l'État congolais, lui-même a-t-il fait l'inventaire de ce que l'État doit à l'Église? Depuis quand? C'est depuis longtemps que l'Église réclamait l'université Lovanium. Est-ce qu'on l'a déjà restitué, l'université Lovanium? Si aujourd'hui l'Église commençait à comptabiliser les pertes qui ont été enregistrés par rapport à cette église, à cette université, est-ce que l'État s'en sortirait même? Est-ce que savez-vous qu'il y a des endroits où l'église existe mais l'État n'existe pas? S'il a déjà sillonné dans ce pays, il doit en savoir quelque chose. Et il y a des endroits où l'église fait même le travail de l'État, encadre et surveille la population, et donne même, joue le rôle pleinement dévolu à l'État. S'il sait au moins cette réalité, il ne peut pas venir raconter des choses comme ça à la télévision, là où il y a des responsables qui nous suivent. Deuxièmement, lorsqu'on doit venir dire au peuple congolais qui nous suit en ce moment à travers le monde, qu'il y a les politiciens qui sont en train de vouloir chercher à aller dans les églises, il faut qu'ils se préparent aux élections. Mais aujourd'hui, c'est clair, on voit qu'il y a un groupe qui ne veut pas qu'il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. Ils sont en train de chercher des subterfuges. On a suivi les audios où un président de la CENI était dans une messe noire avec une majorité et un président de l'Assemblée nationale en train de dire « Nanga nous a aidés ». Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu et suivi dans ce pays? Ici, on veut tout cristalliser sur le cardinal Mosengo. Laissez le cardinal tranquille. C'est nous qui nous battons sur le terrain. C'est nous. Laissez le cardinal tranquille. C'est notre conscience. C'est pas vous les politiques, hein. C'est les laïcs. C'est les laïcs catholiques. S'il vous plaît. Vous devez poser... Nous marchons en tant que citoyens. Vous devez me laisser poser une question. Oui. Pendant longtemps, les politiques ont étalé leur incapacité à mobiliser. Voilà que des laïcs catholiques viennent et réussissent le 31, peut-être un peu moins, mais le 21 un peu plus. Ça veut dire que si jamais il y a quelque chose qui arrive, ça sera à l'actif des laïcs catholiques et pas des politiques. Madame, ce que vous n'avez jamais compris, c'est que les politiques ne font que faire des appels, mais c'est au peuple de répondre. Les laïcs catholiques, en fait, répondent à l'appel de l'opposition. L'opposition qui a été sur la table de négociation avec les évêques de la CENCO. Et on avait dit que le deadline qu'on accordait à Kabila pour la fin, c'était le 31. Et pendant tout ce temps, et la CENCO a fait des messages, et nous les politiques nous avons fait des messages pour appeler le peuple qu'à partir du 31, il faudra se prendre en charge.
Vous pensez que les laïcs se sont réveillés, ils ont commencé à marcher? Il s'agit d'un processus. Les politiques ont échoué à organiser des démarches, des démarches. Madame. Mais les laïcs ont réussi là où... S'il vous plaît. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que les laïcs catholiques ont réussi là où vous avez échoué? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Considérez ça comme vous voulez. Mais l'aboutissement de cette action sera toujours les politiques. Parce que nous pensons que c'est de notre responsabilité de faire de ces actions et de les canaliser pour que ça produise un fruit et le résultat escompté. Ça nous revient à nous. Mais je voudrais rappeler à Diana qui pense qu'il y a démocratie dans ce pays. Il dit, s'il y avait dictature, tu ne parlerais pas. Non, ce n'est pas Kabila qui m'empêcherait moi de parler. Il m'empêchera au nom de quel principe? C'est un dictateur, mais un dictateur faible. Un dictateur qui se réfugie dans une armée. Un dictateur fort laisserait la police faire son travail. Mais lui, quand il y a manifestation comme ça, on déploie la police, on déploie la police militaire, on déploie la garde républicaine, on déploie les forces armées de la République démocratique. Pire encore, on recrute des mercenaires qui parlent anglais, qu'on retrouve dans les rues. Ça, c'est un dictateur faible. Et nous disons, s'il pense que nous avons peur de lui, il se trompe. Nous serons encore dans la rue chaque jour pour réclamer ce qui nous revient. Ce sont les élections libres, démocratiques, transparentes, ouvertes à tout le monde. Il dit qu'il y a démocratie dans ce pays. Est-ce que dans une démocratie, on peut parler de prisonniers d'opinion et de prisonniers politiques? Nous avons signé un accord où la majorité elle-même a reconnu des prisonniers politiques et d'opinion. Nous avons signé un accord où le pouvoir lui-même a reconnu des exilés politiques. Est-ce que dans une démocratie, il peut y avoir des exilés? Est-ce que dans une démocratie, il peut y avoir des prisonniers politiques et d'opinion? Est-ce que dans une démocratie, on peut tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques qui ne font que chanter et qui portent des chapelets et des bibles? Non. Ça, c'est une dictature, mais une dictature faible que nous allons bientôt dégoûter. L'usage disproportionné de la force, grenade lacrymogène à la maternité de Delvaux, cette jeune femme aspirante religieuse tuée à Saint-François Kitambo, qui est le vrai responsable, les commanditaires de la marche ou la police? Oui, écoutez, j'aimerais d'abord dire ceci, que lorsqu'on s'engage, parce que généralement les politiciens parlent même sans s'informer. Je vais lui donner un seul exemple. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Catalogne. C'est un pays de l'Union européenne. L'Espagne, c'est une dictature, une démocratie. Il y a des exilés à Bruxelles. Le Catalogne demande une sorte d'indépendance. Oui, mais c'est leur liberté, non? Mais cette liberté a été étouffée. Il y a des gens en prison, il y a des gens en exil. C'est en Espagne, en pleine Union européenne. Et les exilés sont à Bruxelles, siège de l'Union européenne. Il ne faut pas venir donner des exemples à le croyant que vous prenez tout le monde pour les imbéciles. Il y a des gens intelligents qui nous suivent. Et j'apprends aussi ici que l'université, le catholique réclame l'université. Une université qui appartient à qui? Mais justement, l'université appartient à l'État. À l'époque, c'était l'État belge, l'État colonial. Et c'est pourquoi l'État sous Mobutu, on a confisqué. Les catholiques demandent qu'on leur remette. Ce n'est pas leur bien qu'ils réclament pour qu'ils demandent ça. Il en est de même des écoles. Pourquoi on est arrivé aux écoles conventionnelles? Non, il faut donner de vraies infos. Il ne faut pas les gens, les populistes qui vont... J'apprends ici, voilà, on ne veut pas organiser les élections. Mais quand ils ont signé l'accord de la cité de Luya, son leader était tout feu, tout flamme, là-dedans. Je sais pour quelle raison il a bifurqué, je n'entre pas dans ce dossier-là. Mais l'accord est clair, qu'il le lise cet accord. À quel sujet? L'accord prévoit la prolongation au cas où les élections ne se tenaient pas avant décembre 2010. C'est une disposition très controversée. Ouais. Mais c'est dans l'accord. Chacun lit l'accord selon ce prisme, selon ses positions. Plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle. Si Kamer était Premier ministre... Cette disposition-là, c'est le point d'honneur. C'est sur ce point-là qu'on pourrait nous en donner même une transition de 7 à 6 ans. Parce que vous vous souviendrez, madame, qu'il y a longtemps, il y a quelque temps, le discours, c'était quoi? Non, on navigue à vue d'œil, pas de calendrier électoral, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a un calendrier, dit on ne veut pas organiser les élections. À frais dont le maigre moyen de la République sont mis pour enrôler. Pour acheter des kits, on dit on ne veut pas organiser les élections. Parce qu'en fait, c'est le discours populiste.
populistes croient tromper l'opinion. Tout le monde va, tous les Congolais ont leur carte, ils se sont enrôlés, il y a un calendrier. Aujourd'hui, nous allons vers fin janvier, ça sera bientôt février, il ne restera que quelques mois, et chaque jour. C'est le même discours que nous avons entendu en 2016. Que les téléspectateurs s'en souviennent. Lorsqu'on s'approche, premier calendrier, non, il est partiel, on risque de ne pas organiser les élections si... on ne commence pas par la présidentielle. Faites-nous un calendrier global. On fait le calendrier global. Non, il est indigeste et il n'est pas consensuel. Venez au dialogue pour donner des options claires à la CENI pour que la CENI fasse un calendrier acceptable par tous. Non, on a fait de ce dialogue un lieu de conquête du pouvoir. Nous devons avoir la primature. Et aujourd'hui, la querelle, c'est autour de la primature. Si on dit que l'accord n'est pas appliqué, mais c'est tout simple, justement, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus que se retrouvent à la primature. C'est tout. Alors, là, vous allez se mettre à top. C'est une histoire récente. C'est pas l'histoire que nous avons dans les livres. L'histoire de 1960. Vous vous dites primature et ils disent, depuis longtemps, ils réclamaient une transition sans Joseph Kabila. Mais c'est une transition sans Joseph Kabila. Était-ce le respect de l'accord? L'accord, le vrai principe de l'accord lui-même, c'est de calmer les esprits pour qu'on aille aux élections apaisées. Lorsque vous organisez des marches, vous dites, nous allons continuer à côté. Est-ce que vous respectez l'accord? Est-ce que vous apaisez le climat pour qu'on aille aux élections? Tout simplement, les gens sont en train de chercher à faire force. Ça, c'est la vérité, ils ne vont pas le dire clairement parce qu'ils veulent tromper la parole. Ils veulent faire pression pour qu'il y ait un autre dialogue, qu'ils se retrouvent aux affaires avant d'aller aux élections. Ça, c'est clair et net. Le CLC annonce d'autres actions pour les prochaines semaines. Abili Kambalé. Madame, laissez-moi, avant de répondre, rétorquer sur ce qu'il a dit. Il dit que tout ce qui se passe, c'est pour que les gens se retrouvent au gouvernement. Mais Diana, qui peut encore rêver d'être au gouvernement piloté par Kabila aujourd'hui? Un président de la République incapable de résoudre le moindre problème qui se pose au pays. Un premier ministre qui s'est fait guider par les directeurs de cabinet d'un chef de l'État. Lorsqu'un ministre, avec un ordre de mission dûment signé par le premier ministre, est arrêté à l'aéroport, oh, il faut chercher le quitus du directeur de cabinet du chef de l'État. Qui peut rêver d'appartenir encore à un tel gouvernement? Non, arrêtez de tromper les gens. Nous avions dit que ici, l'application de l'accord pour nous, c'était des mesures de décrispation. On ne peut pas aller à des élections lorsqu'on n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de tenir des meetings, on n'a pas le droit de se promener dans ce pays sans problème, on n'a pas le droit, il y a déjà des détenus d'opinion, il y a des exilés politiques. Tout ce qu'on vous demande est que toutes ces personnes recouvrent leur liberté telle que prescrite dans l'accord. Il y a des personnes citées dans l'accord. Yangambi, Mbonekoube, il y a Dio Mindongala, Franck Diongo, Muyambo, ils sont cités nommément dans l'accord. Ils devaient recouvrir leur liberté conformément à l'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en prison depuis une année que nous avons signé l'accord. Est-ce que c'est normal? Et ils veulent que nous puissions les observer comme si le Congo c'était le pays de leur papa et que nous sommes là pour les accompagner. Ça ne se passera pas comme ça. Deuxièmement, M. Diane, il doit se tranquilliser. Le processus du départ de Kabila a été déclenché depuis le 31 décembre. Nous serons dans la rue chaque jour que cela le voudra parce que nous pensons qu'il y a un pouvoir qui ne veut pas organiser les élections. Il dit que, et c'est là que je voulais citer, il dit que nous étions à la cité de l'Union africaine et que nous avions signé des accords. Nous l'assumons, M. Diane. Cet accord, pour nous, c'était un accord électoral. Dites-moi, la CENI Tambour Bata nous avait dit qu'elle allait enrôler les Congolais jusqu'au 31 juillet 2017. Mais où en sommes-nous aujourd'hui avec l'enrôlement? Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Alors que l'enrôlement est censé s'être terminé depuis le 31 juillet 2017. Et dans l'accord de la Cité de l'Union africaine, et dans l'accord de la Saint-Sylvestre. C'était ça le deal. Mais vous ne respectez pas votre parole. Cette CENI, vous la manipulez à souhait. Vous commandez alors que le vote électronique démontré de par le monde que ce n'est pas un vote fiable. On veut nous imposer une machine à tricher. Voilà des choses que nous sommes en train de reprocher à ce processus. Ils disent c'est pour réduire les coûts. Ils disent c'est pour réduire... Mais les coûts, vous l'avez déjà réduit avec les seuils. Les coûts, vous avez déjà réduit
avec les faramineux, les sommes colossales que vous imposez aux candidats, en sachant très bien que vous avez plongé le pays dans la pauvreté. Mais parce que vous savez que c'est vous les voleurs de l'argent de la République, vous voulez vous imposer encore, vous imposez ainsi de 1000 dollars par candidat. On vous dit, tout ça vous avez mis pour réduire les coûts. Parce qu'il n'y aura pas affluence des candidats avec toutes ces mesures que vous avez prises. Pour, parce qu'il faut absolument que vous puissiez contrôler le processus, vous nous imposez une machine à tricher. Mais cette machine à tricher, il n'y a que vous qui la maîtrisez. Des choses que nous réfutons et nous refusons ces histoires-là. Donc, pour nous, il n'est pas question que M. Kabila continue à penser que le pays, ça lui appartient, il peut en disposer comme il veut. Alors, on a vu ces images, on a du mal à nous en sortir. Et à l'hôtel de ville, on répond que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut plus de 10 millions de dollars pour gérer ces ordures. Mais, madame, lorsque vous êtes dans un état où les autorités sont incompétentes, sur tous les plans. Mais les résultats, c'est ça, les ordures. Qu'est-ce que Kindou t'a fait dans cette ville? 10 ans de gestion, que pouvez-vous retenir, vous, de la gestion de Kindou? C'est ça, les résultats de l'incompétence. À la tête du pays, on venait nous parler ici des sommes faramineuses qui engrangent les sociétés de télécommunications et on dit que les fiscs s'en saisissent. Mais qui gère ces sociétés? C'est la RPTC qui dépend de la présidence de la République. Ça, c'est un vache lait à traire de la présidence de la République qui fait des dépassements. Vous ne savez pas que l'institution qui consomme la plus l'argent de la République, c'est la présidence de la République? Qui ignore ça? Et dans l'entretemps, on nous signale que les membres de la famille de M. Kabila ont planqué de l'argent dans les paradis fiscaux partout dans le monde. Qui ignore ça? Des sociétés qui ont créé plus de 300 sociétés. Ils sont dans les caillasses, ils sont dans les fermes, ils sont dans tout. Les minéraux, n'en parlons pas. On a bradé la Gécamine. 1 million de tonnes de cuivre qui partent chaque année. Alors que la Gécamine, dans sa plus grande performance, n'avait atteint que 459 000 tonnes. Sa plus grande performance. L'entreprise Fléron, la Gécamine de l'époque, qui soutenait 60% de l'économie zaïroise, était tenue par cette entreprise. Mais aujourd'hui, ils exportent 1 200 000 tonnes de cuivre par an. Mais où va cet argent? Dans les poches d'un individu et sa famille. Et ils veulent que nous puissions nous taire, et ils veulent, et voilà la ville, comment elle est. Oui. Et Kimbuta, un incompétent qu'on aurait dû chasser depuis très longtemps. Mais il est là parce qu'il sert les intérêts de la famille. Dans votre quartier, il y a un dépotoir ou Il y en a trois, madame. Nous ne savons plus respirer. Lorsque vous attendez qu'il y a le choléra, vous attendez qu'il y a la fièvre typhoïde qui décime nos populations, en réalité, quand on vous dit que nous sommes dans une prison à ciel ouvert, mais c'est la vérité. Prison à ciel ouvert, poubelle à ciel ouvert. Voilà. Et en fait, il nous tue par la barre. Mais c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Mais la plus grande solution, c'est remballer tous ces gens. Parce que quel que soit. Ces gens, ils les font sciemment. Ils ont une mission d'exterminer tout un peuple. Vous voulez qu'on vous le dise dans quelle langue? Non, en attendant, on vit les pieds dans les ordures. C'est ce que j'ai dit et la population doit se réveiller. Puisque Kimbuta, tu vas lui dire quoi? À chaque fois que vous, les journalistes, vous lui posez des questions, je n'ai pas de moyens. Mais monsieur, vous faites quoi là-bas maintenant? Mais il faut partir. La DGRK qu'on a instaurée ici, vous savez, madame, on ne le dit pas assez, hein, mais nous allons faire les comptes pour démontrer les crimes économiques. L'industrie congolaise est principalement à Lubumbashi, au Bas-Congo et à Kinshasa. La DGRK, je vais vous donner un exemple. Goma. À Goma, on a instauré juste un petit taxe pour percevoir un peu d'argent sur les litres, les mètres cubes de carburant importés par les opérateurs économiques. Vous savez qu'aujourd'hui, presque la totalité de la ville est asphaltée. Dans l'entretemps, le triple de cette taxe est perçu par Kimbuta. Le triple. Le gouverneur de la province du Nord qui vous vient d'asphalter pratiquement toute la moitié, encore que c'est parce que les opérateurs économiques au Nord qui vous, puisque c'est aussi un autre voleur, les opérateurs économiques eux-mêmes gèrent cet argent. Voilà, la ville est asphaltée. Mais ici, Kimbuta perçoit le triple de ce que l'autre Nord qui vous perçoit.
Mais Kimbuta, lui, c'est l'argent pour donner à Zaïko et pour être dans les boîtes de nuit chaque jour. Et nous disons, est-ce que ce sont ces genres d'individus qu'il faut laisser à la tête du pays? Mais nous disons, il ne faut pas se tromper, parce que Kimbuta est dans un schéma et c'est son chef direct qui lui donne, puisque Jeune Afrique nous a dit qu'il appartient aux 6 personnes les plus influentes du Sérail. Moi, j'ai dit, il faut faire très attention. Et la population doit se réveiller. Ces gens, nous devons les chasser pour espérer retrouver encore une petite dignité. Diana Kinshasa est sale et très sale. Et il y a un lien direct entre les ordures, entre l'insalubrité et les maladies comme les épidémies, comme le choléra. Oui, tout à fait. La ville de Kinshasa est un pays. Pour tout analyste politique, compte tenu de ce temps, je vous dis que ce n'est plus la plus petite des provinces. La plus petite, c'est le Kasaï oriental maintenant. Kinshasa, c'est l'avant-dernier. Donc, c'est toute une province comme les autres provinces. Cela a des conséquences pour tout intellectuel. Que vous soyez politicien ou quoi, vous avez quand même un minimum de scientisme en vous, d'honnêteté intellectuelle, pour reconnaître que la concentration qu'il y a à Kinshasa, on n'en a pas à Lubumbashi, on n'en a pas à Bukavu, on n'en a pas ailleurs. Cette concentration veut dire quoi? Production en tonnes d'immondices. On en a assez. Et il y a aussi cette liberté de jeter les immondices n'importe où. Cela n'exonère pas. Vous n'allez pas dire que c'est la faute de. Cela n'exonère pas les autorités. J'en arrive. Je voudrais être un Congolais honnête en train de démontrer un intellectuel. Ce n'est pas un populiste politicien qui cherche le pouvoir à tromper la population. C'est pour vous dire qu'il y a un vrai problème d'immondices ici à Kinshasa. Les tonnes d'immondices qu'on nous. Il faut suffisamment de moyens et de stratégies pour les évacuer. Nous avions vu dernièrement, je l'ai écrit dans mon journal, le premier ministre de l'époque, si on est Kinshasa installé les poubelles, nous avons dit que c'était une erreur monumentale. La gestion des immondices dans la ville, ce n'est pas l'affaire du monde. Tout ce qu'on avait mis comme poubelle, comme gadget, ça n'existe plus ce parti. C'est pas. Et ça n'a fait même pas 2 semaines. Donc c'est pour dire que. En quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a terminé. Ce qu'il faut, il faut suffisamment de moyens. De moyens et qu'il n'y ait pas coulage de recettes. Que les gens comme l'archidiocèse de Kinshasa payent les taxes. C'est avec ces taxes-là qu'on va arranger le. Mais j'apprends du soir, quand vous dirigez un pays, vous aspirez à déjà ce pays, il faut avoir des informations. Il faut dire clairement qu'il n'y ait pas détournement de fonds non plus. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit. Qu'on dise que c'est ATPC qui gère les médias. Nous sommes dans quel pays? Selon quelle loi? Parce que l'ATPC gère les fréquences. C'est tout, les autorisations. La gestion quotidienne, ce n'est pas l'ATPC. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui cherche à gérer le pouvoir. Il parle aussi de ce que le gouvernement congolais exporte. Il ne connaît même pas le code minier de son pays. Il ne sait même pas quels sont les efforts qui sont faits aujourd'hui pour qu'on revise le code minier afin qu'on puisse rentrer dans nos droits. Comment vous pouvez aspirer à diriger le pays lorsque vous ignorez même les choses essentielles sur lesquelles repose la vie même de l'État? Nous avons le code minier imposé par leur soutien, l'Union européenne et tout ça, qui ne donne rien à la République démocratique, ce qui fait que la croissance qui est ici, la croissance sur base de l'argent qui appartient à ces gens-là. Donc c'est le gouvernement congolais qui il compare la GKM qui est une entreprise de l'État et la Banque mondiale de l'État ne doit pas être commerçant, producteur, il faut libéraliser. On a libéralisé, on sent les conséquences aujourd'hui et on veut réviser le code minier, il ne sait même pas ça. Il va dire aux populations que c'est le gouvernement congolais qui exporte le minerai. Ça c'est tout. On a terminé. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la GKMINE et du gradage des minerais. Juste un mot. Juste un mot. Diana, faut pas. Quand vous ne connaissez pas des choses, il faut demander. Aujourd'hui, le produit intérieur brut du Congo, c'est 40 milliards de dollars, c'est démontré. Ne serait-ce que si on prend la pression fiscale de 30%, notre budget serait minimum. Minimum, j'ai dit bien, 12 milliards de dollars. Seulement la pression fiscale. Donc, ne racontez pas des histoires que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup. Donc, quand on dit exportation de 1 million de tonnes,
La communauté internationale ne vous a pas interdit de prendre, de prélever les taxes. Mais non, les titres miniers, les titres miniers, les titres miniers, les titres miniers, vous les avez bradés aujourd'hui. Les Dan Gettler sont des milliardaires dans un pays. Les Dan Gettler qui sont les amis de votre chef, vous auriez comme prétexte, vous auriez comme prétexte d'aller chercher le pouvoir, les dire Robert. Voilà, on vous a confisqué les mines. Si vous voulez, personne ne vous a interdit de prélever les taxes. Vous ne prélevez les taxes, vous ne prélevez pas les taxes de tout. Vous ne prélevez pas les taxes à fait de tout au Canada pour sauver Fiskantum, son leader. C'est le gars qui lâche les voyages au Canada. Vous êtes en train de voler, ça vous permet de voler. Il a cherché le pouvoir pour que Fiskantum revienne, pour spolier ce pays. Merci. Les voyages au Canada, il les fait. On est terminé là. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'est fini. Mais il faut les produire. C'est fini. Tout ce que j'ai dire à Diana quand tu ne connais pas les choses, il faut demander. On a compris. Merci beaucoup. Il faut couper les micros. On a terminé. Est-ce que serait-ce que la pression fiscale est trop puissante, notre budget serait de 12 milliards. Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer. Je peux conclure l'émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je te parle de 40 milliards. Quand ces gens-là produisent, ils amènent chez vous. On ne s'entend plus là. Et donc, vous êtes là. Vous ignorez le principe. Vous volez l'argent. Vous l'avez déjà dit. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Merci aux amis. Merci aux amis de nous avoir suivis. Ainsi se termine ce débriefing. Billy Tambal était avec nous. Il est de l'UNC. Joachim Diana était également là, journaliste proche de la majorité présidentielle. En rediffusion, cette émission demain, jeudi et vendredi à 7h15 sur l'antenne locale et Canal+. On va quitter avec le selfie. Et merci de venir par ici. tous les deux. Voilà, voilà, voilà. C'est bon? On est sur la caméra de Lindel. Au-dessus, comme ça. Merci de regarder par là. Merci de regarder la, plutôt le téléphone, Diana. Merci beaucoup.